direct avec la Bible. Ce sera la troisième partie d'une émission que j'ai intitulée « Oser forcer la main à l'amour divin ». Et nous reprendrons le chapitre premier de l'évangile de Marc, du chapitre versets 40 à 45. C'est la guérison d'un lépreux. Et d'un lépreux qui n'est pas comme les autres parce que il ose venir affronter en quelque sorte Jésus. Il ose s'approcher de Jésus. Vous savez que pour les lépreux, en fait, à l'époque de Jésus, ils n'avaient que le droit de dire « tamé, 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 tamé », c'est-à-dire « impur, impur, impur », crier cela, et ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les villages, de vivre dans les villes, et de s'approcher des maisons. Et ce lépreux, dont on ne connaît pas le nom, mais il a un courage extraordinaire, il faut le saluer, il est celui, on pense même qu'il s'est approché d'une maison, qu'il est peut-être entré dans une maison où Jésus était avec ses disciples. Quand j'ai envoyé un lépreux, ben, il se reculait, il se repoussait, il fuyait, parce qu'il avait peur d'attraper la lèpre. Et le lépreux, lui, n'avait pas le droit d'entrer dans la maison. Et ce lépreux, eh bien, est courageux, parce qu'il va vers Jésus. Et il ose aller. Parfois, il faut oser. Si vous n'osez pas, eh bien, vous n'avez rien. Il faut oser, il faut risquer. La foi, c'est aussi quelque chose d'oser, de risquer. Et cet homme, ce lépreux, ose s'approcher de Jésus. Et il lui dit, il s'approche très près de Jésus. Il ne le touche pas, mais il s'approche très près. Et puis, il lui dit cette parole, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus est coincé. Il est coincé parce que cet homme, s'il ne le guérit pas, va se retrouver tout simplement lapidé. Il le condamne à mort. C'est pour ça qu'il ne peut que dire « je peux ». Et il va user de son pouvoir de faire des miracles, de guérir et de manifester la puissance de Dieu en guérissant ce lépreux. Ça, c'est la première chose qu'il nous faut retenir, oser. Et cet homme a osé forcer la main de Dieu. Oui, parce que il dit à Jésus, « Si tu ne peux rien pour moi, je suis un homme foutu, je suis un homme mort, je suis condamné, on va me lapider. » Autrement dit, je me suis tellement approché de toi que maintenant, eh bien, tu n'as pas d'autre choix, en quelque sorte, que de me guérir, de me purifier, d'ôter la lèpre qui empoisonne ma vie. Il ose et il force la main de Jésus. C'est ça que Dieu aime. C'est qu'on lui force aussi des fois la main. Qu'on le mette dans une situation où il ne pourra pas faire autre chose que de faire ce qu'il a toujours fait et ce qu'il est, c'est de nous bénir. Et c'est très important. Il ose. Et alors, Jésus le touche. Et quand il le touche, il y a quelque chose qui n'est pas très bien rendu en français, c'est il est horrifié par ce qu'il touche, parce qu'il touche la lèpre, il touche le péché, et il touche en quelque sorte la punition du péché. Cette lèpre-là,
il la touche, il ose la toucher devant tous. Il n'a pas peur de la toucher. Il le débarrasse de cette lèpre. Et en le touchant, qu'est-ce qui se passe? Il s'identifie avec tous les pécheurs, avec tous ceux qui ont la lèpre d'une façon ou d'une autre, tous ceux pour lesquels il va mourir. Il anticipe déjà ce qu'il fera à la croix, où il portera nos péchés. Et il est saisi, horrifié par l'horreur du péché. Mais il le touche et il dit, sois purifié. Et après il lui dit quelque chose, maintenant, secret, n'en parle à personne. Mais comment peut-il garder le secret? Vous avez été lépreux, ça se voit, ils avaient des habits particuliers, ils devaient crier, ils étaient en marge de la société, les chiens et les chats étaient mieux traités que eux. Et ça se voit, un lépreux qui est guéri, libéré. On leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, il y a un homme, Jésus, il m'a touché, moi lépreux, et il m'a guéri. Ah bon, mais s'il te guérit, moi aussi, mais me guérir, mais s'il te bénit comme ça, ben moi aussi. Et alors, on va chercher Jésus pour qu'il guérisse, qu'il bénisse. Et c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Jésus a dit ne permets pas. Ne permets pas, ne te permets pas de révéler ce secret, ce que je t'ai fait. Parce que pourquoi? Parce que Jésus savait que la guérison, que ce miracle-là, allait être mal compris. Et c'est ça qui se passe la plupart du temps, c'est que les miracles ne sont pas toujours bien compris. On les exploite. On les sort de leur contexte. On les sort de l'objectif pourquoi Dieu les a donnés et faits. Et c'est ce dont Jésus se méfie. Et c'est pour ça qu'il dit à ce lépreux, chut, n'en parle pas, tais-toi, ne dis rien à personne, garde ça pour soi. Mais il ne peut pas le taire, ça se voit, alors il en parle. Et alors on vient vers Jésus de toutes parts pour être aussi guéri, si bien qu'il ne peut plus être dans une ville, dans un village, tout le monde accourt. Alors il va se cacher dans la campagne, dans les lieux déserts. Mais on le trouve. Et l'évangile de Marc commence comme ça, sur les guérisons, les miracles de Jésus. Et c'est extraordinaire. Et ça montre aussi la foi. La foi de ce lépreux qui a osé, la foi ose. Mais le problème, c'est que c'est souvent pas bien compris. Le lépreux force la main de Dieu. Ou tu me guéris ou je suis lapidé. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi tous ces gens qui vont chercher uniquement une chose. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le lépreux. Et il recherchait la guérison, mais il l'a fait avec foi. C'était la chose la plus importante pour lui. Et nous aurions fait pareil. Mais il n'a pas compris. Peut-être que par la suite, oui. Que ce n'était pas seulement la guérison qui était importante, mais c'est la vie dans laquelle elle faisait entrer. L'évangile n'est pas seulement un message. C'est l'évangile de Jean qui dit que la parole a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole a été faite chair? C'est que la parole est devenue histoire. Que la parole s'est devenue une histoire parmi l'histoire des hommes, dans l'histoire des hommes. Et que moi, lorsque je reçois le Seigneur, eh bien, je fais partie de son histoire. Et son histoire, c'est quoi?
c'est pas seulement la vie sur la terre, c'est pas seulement manger, boire et puis être guéri, mais c'est la vie éternelle. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ce que Jésus déplore et qu'il craint. Ils n'ont pas compris. Ils cherchent simplement le pain, la multiplication des pains, ils cherchent les guérisons, les miracles. Ils cherchent certains, bien fais-moi un miracle, marche sur l'eau. Mais tous les miracles sont pleins de malentendus et les guérisons parfois aussi. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est venu faire. Ce n'est pas simplement de guérir. Il est venu pour mettre la vie éternelle en nous. C'est pour nous faire entrer dans la vie éternelle. Et beaucoup de ces gens qui ont été guéris n'ont été que guéris, ils ont mangé du pain qui était extraordinaire, miraculeux. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu plus. Ils sont morts avec ça. Ils ont fait une expérience, mais c'est tout. Mais la vie de Dieu, la vie de Christ, ça, ils ne l'ont pas expérimenté. Et c'est ça que le Seigneur craint. Et vous qui écoutez, ne faites pas simplement du miracle que vous avez eu ou que vous avez vu ou de la guérison qui vous a été donnée, etc. L'essentiel de votre vie qui vous permet de vivre un peu mieux sur la terre, mais qui n'ouvre pas la porte du ciel. Jésus est venu, c'est pour ouvrir la porte du ciel. Et maintenant, approchez-vous de Dieu. Osez vous approcher de Dieu. Et ouvrez votre cœur au Seigneur. Que sa grâce vous éclaire et vous bénisse.